Les deux grosses plus les nades, ça pourrait faire le taf. Alors, Compliqué les nades. Ah, ça a touché, ça a touché, ça tue. Voilà, qui a besoin d'une grosse quand on a des nades? Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique, il sera ravi. Yo les potes, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire 2-3 trucs. Faut savoir que c'était une cup qui était organisée par Topacha. Donc il y avait 4 poules, moi j'étais dans la poule B, et on avait 4 games à faire. Et il fallait finir dans le top 24 tout simplement pour être qualifié le lendemain pour la grande finale. Donc moi j'étais dans la poule B, et en fait pour participer à cette cup là, fallait soit être invité, ce qui n'était pas mon cas, ou soit fallait s'inscrire et après c'était un peu de l'aléatoire quoi, si on te prenait ou on te prenait pas, et j'avais été pris. Et pas mal de personnes avaient le seum, d'ailleurs je vous invite à aller sur Twitter et taper Cocteau, vous verrez, il y avait pas mal de personnes qui avaient le seum. Et du coup malheureusement dans ma pool, il y a des mecs qui ont voulu me casser les couilles, parce que du coup je faisais ça en live. Et il y a des mecs qui m'ont streamé, qui ont team up, qui m'ont vraiment juste cassé les couilles. De toute façon vous allez le voir juste après, je vais vous mettre un petit extrait. Alors vous allez voir, c'est MCS Andilex, c'est pas le vrai, MCS Andilex c'était même pas dans cette pool, c'était un stream hacker qui... Enfin bref, c'était que des emmerdes. En tout cas... J'ai fini 30ème, ce qui est pas mal parce que j'ai fait une bonne game. Genre en fait je suis arrivé à échapper au stream hacker et tout. Vous allez la voir, Xeor va d'ailleurs la cast. Sinon voilà, 3 games où j'ai je me suis fait stream hack au spawn, team up. Je vous laisse avec les extraits les gars, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, en tout cas bon visionnage. En fait c'est qui m'a chase toute la game, c'est lui là non? Lui il m'a cassé les couilles toute la game. Alors je suis désolé là, t'arrives dans le bac d'un mec là. Mais il stream hack ou quoi? Je n'arrive pas à comprendre là. C'est un admin, c'est quoi là? Je comprends. Là, j'arrive pas à comprendre, là. C'est pas le vrai Andilex. Ah, mais on se fait stream hack. Ah ouais. Ah ouais, mais on se fait stream hack par des mecs. Super. Ah, mais c'est pour ça. 100%, ça, 100%, c'est un de mes viewers. Hein. 100%. Je m'en souviens très, très bien. Et ça, Bot the Crack, c'est pareil. Hein. En fait, c'est des mecs qui me stream hack. Il est encore là-bas. Du coup, il y a Andilex et le sapin qui me prend. En... Alors, du coup, il me stream hack et il me merde. Là, bizarrement, hein. Non, mais je vois. Genre, regarde. Non, pas de stream hack, hein. No stream hack. Et pourquoi ils te stream hack, c'est chiant. Bah, parce que c'est comme ça, ils sont frustrés. Ils ont pas eu le code, regarde. Regarde. Ah, mais ils ont pas eu le code. Comment ça, ils ont pas eu le code? Oh, je. Bah, je sais pas, ils ont pas eu. En gros, il y a un mec qui est rentré qui donne, qui drop le code et tout. T'es 82 personnes en vie, hein, donc ça, ouais, ça va tryhard, ça va être... va falloir faire gaffe à la storm surge, clairement. Exactement, ils ont la storm et même les balles que j'ai mises. Donc là, il va, il commence déjà à se passer, nice, il est déjà en zone. Ouais, non, et il a un stuff correct, bah là, c'est juste dommage qu'il se fasse poncer son shield par son adversaire, là. C'est ça, là, faut qu'il... Là, il s'est pris un vrai laser, il a pas de shield. Et on voit que c'est compliqué, genre... Là, c'est compliqué, il risque de se faire aggro par l'autre. Par un peu tout le monde. Non, ouais. Finalement, Cocteau a décidé de se diriger vers l'est de la map. Et donc, ça va être plus facile. Puisqu'on avait Nikov qui était juste à côté de l'île du mieux. Alors, Never Say Yes, j'avoue que je vais aussi ouvrir son stream. Ouais, pareil, je suis en train de tout ouvrir là. On est en... il a gaspillé beaucoup de. Ouais, là, beaucoup de vie pour s'en sortir. Ouais, c'est de trouver du shield. Là. Il peut pas aller vers le late game sans shield. C'est... sans shield et sans mats, là il faut absolument qu'il se repasse. La première zone qui va se mettre à push. On a Nikov aussi qui vient de killer. Ouais. Là c'est compliqué, on est tous des synchros. Et Cocteau là qui s'est fait toucher à blanc hein, par contre. Donc ça va être compliqué pour lui. Ok, je suis sur Solari moi. Ouais, ok. Bah go Solari alors. Ouais. Exactement, exactement. Donc là, on a beaucoup de prises d'infos. Donc pas de storm pour les phases demi-finales. Pas beaucoup de storm en vrai. Je crois pas qu'on a eu des storms. Je sais pas si t'as fait attention, s'il y avait des storms à des moments. Non, je pense pas. J'ai pas vu une seule storm. Et dans la même game que Cocteau, on a Never Say Yes avec un stuff. Incroyable. Si, ouais, vraiment. Si il fait pas un bon top, ce sera vraiment. Vraiment pas cool pour lui, ah parce, oui, que, mais, parce mais que là c'est un 3 Yab son stuff. C'est... 3 poissons violets avec 4, ouais. 4 poissons verts et on enchaîne avec 6 mini, space 12 ouais. Et AR bleu. Ouais, c'est donc là attention de ne pas faire trop d'all-in là maintenant. Never, tu as déjà ton kill. Là tu veux l'étape, tu veux ton top 25. Tu es 26ème. Faut pas gaspiller trop de build, faut pas gaspiller trop de balles maintenant. C'est pas le moment, c'est pas ce qu'on veut. Là, il lui faut du late game, Never. Il lui faut marquer des points sur cette game. Pas de question à se poser. C'est ce que je fais là. C'est juste le late game, le petit top 5 hein, et des kills.
Exactement. Ça ferait le taf. Ça ferait exactement, le taf. Exactement. Donc là, là on est sur Never, nous. Et ouais. Et de l'autre côté, ben, on a. Donc là, on a une free rota côté. Côté on va cliquer Never, les gars. On vous met Never parce que vous allez voir son stuff. C'est incroyable. Là, il prend son temps. Hein. Je sais pas si c'est. Je sais pas. Pour le coup, là, voilà, rota, après, il aurait peut-être fallu y aller quand même assez vite, vu qu'il n'y a personne du côté droit. Hein. C'est free rota. Tu vois, tout le monde rota. Et du coup, plus il y en a qui rota, plus il y en a. Ouais, c'est ça. Il y en a plus il y en a qui risquent de lui tirer dessus après. Hein. C'est ça, exactement. Après, au moins, maintenant, il a une free rota parce que l'autre a décidé de. Mais vas-y, tire-toi. Alors, il faut pas... ça vaut pas le coup de le jouer, d'ailleurs. C'est bien de garder. Quoique, là, il a l'air gratuit. Hein. Il a l'air vraiment gratuit. C'était quoi cette décale, là, mon ami? C'était vraiment. Faut pas se faire trap. Un mur. Dommage, le chapeau mur. Une bonne connexion. On pourrait peut-être le faire tomber, là, ça tient sur vraiment pas grand chose. Ça tient sur un escalier. Attention, on trappe, attention, on trappe. Oui, ça sort, ça passe. Ouais. Allez, ouais. La grosse balle. Posé au-dessus, c'est voilà, bien ça. Voilà, ça passe. Là, par contre, attention. Alors, moi, je prendrais mes bleus. Ouais, c'est pas grave, Ouais. Bonne utilité de Jor était de popper ses bleus et récupérer les rouges de l'autre. Clairement. Mais bon, voilà, quand compliqué, on est dans la compliqué. Partie, c'est compliqué. Heureusement, il est pas mort parce que ça aurait pu prendre l'aggro. Même pas avoir le top 25. Ouais. Là, bientôt, le top 25 qui va arriver. Alors là, est-ce que tu pop un bleu? Ouh là ou là, attention, le laser. Là, ça va popper deux rouges et un bleu, j'imagine. Ok, des mini vite. Ou peut-être les poissons. La priorité poisson. Ouais. Allez, Never, allez, on est pas encore en top 25. Allez, attention, solide, il a le mur. Il a encore beaucoup de build. Il peut, ok, c'est bon. Never, le build fight, ça connaît. Non, le top 25, il meurt. Si on voit, sa frustration. Et vas-y, on retourne sur Cocteau. Ouais. On va switch sur Cocteau. Cocteau qui a lui décidé de jouer très safe et qui est sur la hauteur. Exactement. Avec la première moving vraiment pas loin, donc s'il arrive à garder une pression, ce qui est contre la hauteur, il y a moins. Ouais. Donc là, je pense que c'est plus dur, je trouve, dans des lobbies peu stack de contrôler une hauteur. C'est très dur de contrôler la hauteur dans les lobbies peu stack. C'est vraiment très dur. Donc là, je pense la petite erreur de Never qu'il a eu, c'est qu'il n'a pas rota assez rapidement. Et au final, il s'est retrouvé. À devoir fight un mec, et pareil, au final, il a pris l'aggro de d'autres personnes qui étaient déjà placées. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment compliqué. Peut-être essayer de rota plus vite la prochaine fois pour esquiver en fait cette phase dangereuse, quoi, on va dire. Et là, Cocteau qui doit pas rester trop à l'arrière, hein. c'est dangereux non, ce qu'il fait. Surtout pas, bon, surtout après. Pas. Et surtout, build solide, pas rester en bois. Ouais. Le bois là, ça casse. Là, c'est trop fragile le bois. Là, faut qu'il relie en face. Qui rush le mec, qui t'a peut-être mettre deux trois petites nez là, mais après il crée de la distance avec l'autre hauteur, c'est pas mal là ce qu'il fait. Faut qu'il avance là. J'aime bien, il s'est fait rocket en plus, donc là il y a deux hauteurs qui se jouent en même temps, c'est gratuit pour lui. Tant qu'il contrôle sa zone, il peut prier pour avoir la deuxième et du coup récupérer la hauteur. Exactement. Pour remettre un peu de pression là. Dommage. Oh, là faut qu'il laisse la hauteur, faut qu'il laisse la hauteur, Cocteau. Faut que t'avances en zone, tu laisses la hauteur. Allez, tu peux jouer ta qualif. Il a eu le top 15, Cocteau. La zone qui retombe derrière, donc c'est parfait. Allez. Le temps. Voilà, on retourne dans des buts déjà construits pour aller popper le shield. S'il arrive à faire passer ses deux grosses, plus les nades, ça pourrait faire le taf. Alors. Compliqué les nades. Ah, ça a touché, ça a touché. Voilà, qui a besoin d'une grosse quand on a des nades. Ça tue. Parti. Il avance, il drop un peu. C'est beau ce qu'il fait là. Moi j'aime bien. Ouais. Il va falloir être lucide sur la hauteur. Là, il va falloir qu'il éco ses bulles, qu'il avance au tac, qu'il éco ses bulles, c'est le top 5. Ouais. Faut faire attention. Allez, là, ça gaspille beaucoup. Ouais, quand on fait une box, c'est instantanément 50 qui partent. C'est ça. Très cher. Hein. Et là, le petit. Attention, là, t'as plus de bulles, Cocteau. Il faut être lucide. Aïe, en bas, le top 5, il est pas là. Le top 5, il est pas là. Nice, il est là. Il l'a eu. Et c'est attaque. Il s'est attaqué, il a tué. Il y a peut-être moyen que ça passe. Je sais pas. Alors c'est nickel, donc là moi je vous propose de terminer limite sur la PE votre Cocteau et puis d'enchaîner sur la PEV MCES. Voilà les potes, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu au début, je me suis fait streamhack, team up, etc. Et du coup la dernière game, donc là où le moment où Xeor et Noir me cast, je suis arrivé à m'en sortir et j'ai décroché un petit top 5, malheureusement que un kill. Et j'ai fini 30ème. Donc je pense que honnêtement, si les premières games j'avais pas été streamhack, donc les 3 premières, j'aurais peut-être pu passer le top 24 et faire la grande finale. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement.
Et puis surtout, rejoignez-moi sur Twitch, les gars, c'est là où je suis le plus actif. Allez, c'était Cocteau, les gars. Ciao.